Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de unboxing partenariat de la boutique One Day Saving. Donc, ils m'ont recontacté pour savoir si je voulais effectuer un autre partenariat avec eux pour vous montrer des nouveautés. Mais j'ai pris qu'une seule nouveauté. Du coup, je remercie beaucoup la boutique One Day Saving, de me faire confiance pour que je puisse vous montrer tous les produits. Vous jeterez un coup d'œil sur, en barre de description, je vous mettrai tous les liens de la boutique, tous les liens des produits que je vais vous montrer, ainsi que la boutique, et un code promo si j'en ai un, parce que je ne sais plus, mais il me semble que j'ai moins 5% sur la commande avec un code. Donc, vous regardez en barre de description. Donc, je vais vous montrer tout de suite les produits que j'ai choisis. Alors, donc, je retourne cette vidéo puisque je l'avais déjà tournée une première fois, mais j'avais mal positionné mon téléphone, j'avais pas mis mon petit micro. Du coup, on n'entendait pas grand-chose et on ne voyait pas grand-chose. Donc, du coup, je refais la vidéo. Voilà, c'est comme ça. Donc, première toile que j'ai choisie, ça, c'est une toile pour compléter une petite collection que j'avais commencé. Donc, c'est cette toile-ci. Donc, vous avez toujours dans les kits de Diamond Painting, donc les diamants, la toile et un toolkit que je n'ai pas monté du tout. Comme je vous ai dit, j'ai déjà tourné la vidéo. Et vous avez toujours dans les kits de Diamond Painting ceci, donc la barquette, la colle et le stylet. Mais moi, une fois que je les ai déballés, je ne les garde pas. Et voilà. Donc, j'ai choisi cette toile-ci. Donc, c'est une toile en diamants spéciaux. Toile partielle. Donc, j'ai déjà plusieurs... Enfin, j'en ai déjà deux de cette collection. Je les ai préparées. J'ai déjà celui-ci que j'avais aussi sur la boutique One Day Saving. Donc, ça, c'est un colibri avec partielle, pareil, et en diamant painting, en diamants spéciaux. Et j'ai celle-ci aussi qui est en diamants spéciaux avec le petit lapin. Donc, oui, il y a vraiment, vraiment de beaux diamants. Donc, c'est pour ça. J'ai voulu continuer et du coup, j'ai pris celle-ci avec la licorne. Donc là, vous n'avez que des diamants spéciaux. Je vais vous montrer les diamants. Alors, et donc à chaque fois vous en avez largement assez pour faire vos toiles. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a toujours ce qu'il faut en quantité. Donc là nous avons de grosses fleurs. Hop. Donc voilà pour les diamants. Donc c'est une 30 par 30 et là vous avez 13 sortes de diamants à poser dessus. Donc il y a pas mal de petits boulots quand même. Hein. Et puis ça fait pas mal de diamants à poser et il y en a ils sont un peu éparpillés sur la toile. Donc je pense que ça devrait rendre très très bien. Désolée, je fais du bruit. Hop, voilà. Et je pense que ça devrait rendre à peu près comme celui-ci, hein, comme le lapin. Vous voyez, avec différentes couleurs et ça rend super joli. Donc voilà pour celui-ci. Et ce petit diamant painting sur One Day Saving est au prix de 3,97€. Donc c'est vraiment, vraiment pas cher pour un petit diamant painting comme ça. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les diamants spéciaux, enfin les toiles en diamants spéciaux et partiel. Je trouve que ça rend super bien. Donc ils ont aussi changé leur emballage. C'est dans des emballages plastiques comme ça. Hop. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai pris un autre. Donc ça, ce n'est pas forcément pour moi. J'ai mis le plein. Voilà. Donc, je ne sais pas encore si je vais le faire. Ou si je vais l'offrir comme ça. Donc c'est une toile. Voilà, c'est une 30 par 30, donc avec les bords blancs, donc il fait un petit peu moins. D'ailleurs, j'ai ma règle ici, donc je vais pouvoir vous dire directement la mesure. Il fait à peine 25 sur 25. Voilà. Donc, c'est une toile en diamant rond. Voilà, donc ça, c'est tous les diamants.
Vous avez 16 couleurs de diamants. Donc au niveau des toiles, bon, j'ai jamais eu de soucis hein, sur les toiles. Ça colle très très bien. Pas de problème là-dessus. Donc je vous la montre de plus près. Donc les symboles, on les voit aussi très très bien. Donc limite, vous n'avez pas forcément besoin de tablette lumineuse pour ça. Donc voilà pour celui-ci. Donc toujours, hein, vous avez toujours aussi le toolkit de base. Je ne vous montre pas, mais il est dedans. Cette petite toile est au prix de 3,73€ sur la boutique. Donc ça, je ne sais pas si je le garde, si je le fais moi-même et je l'offre, ou si je l'offre à la personne, je ne sais pas. Je vais voir. Pikachu. Donc, ensuite, j'ai ça va être une nouveauté qu'ils ont sur leur boutique. Des nouvelles toiles en diamants spéciaux partiels sur le thème des princesses. Du coup, quand j'ai vu qu'ils ont sorti une nouvelle collection, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai passé commande sur des toiles en diamants spéciaux partiels sur le thème des princesses, où j'avais commencé une petite collection. Et je me suis dit que si je voulais commencer une nouvelle collection de diamants de painting, je me suis dit, je vais finir l'autre. Du coup, j'ai passé une commande sur leur boutique que j'ai reçue le même jour que mon partenariat. Ça met à peu près entre 10 et 15 jours à arriver. Et du coup, ça fera l'objet du coup d'une autre vidéo où je vous montrerai toutes les toiles que j'ai commandées par moi-même sur leur boutique. Donc voilà, j'ai choisi celle-ci. Et c'est une nouvelle collection de toiles. Alors, c'est une toile partielle diamants spéciaux. Et donc, du coup, c'est sur, une fois de plus, sur les princesses. Donc ça, c'est une 30 par 40. Et voilà. Donc là, j'ai pris la fée clochette. Voilà. Donc, 30 par 40, vous avez 12 diamants spéciaux dessus. Et du coup, là, vous n'avez pas le visage à faire ni le fond. Et du coup, le fond et le visage et le corps, on le voit très très bien. Il y aura juste à poser les diamants autour. Donc là, il y a quand même pas mal de boulot, puisqu'il y a beaucoup de poses de diamants. Mais ils sont très très jolis. Je vais peut-être vous montrer l'autre collection. Je vais vous montrer l'autre collection. Donc, l'autre collection de diamants painting partiel diamants spéciaux que j'avais commencé et que du coup je vais finir, c'est celle-ci. Voilà, donc c'est à peu près le même style. Hop, donc là ils sont rangés dans mon classeur, dans un porte-vue que j'avais eu sur Amazon, où je range du coup tous mes diamants, enfin tous mes diamants, toutes mes toiles que j'aime beaucoup. Donc celle-ci déjà. Donc là du coup j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4. Et j'ai dû en commander, du coup pour finir la collection, j'ai dû en commander 9. Comme ça cette collection de diamant painting sera finie. Et ce sera ma première collection entière que j'aurai finie. Donc je suis contente. Donc voilà, c'est ce qui m'a donné envie de faire la commande. Donc là vous voyez, j'ai dedans tous mes diamants. Toutes mes sortes de diamants. Celle-là, j'ai des gorgeous qui sont en diamants spéciaux et j'ai des gorgeous en diamants ronds, diamants carrés. Et j'ai une autre aussi collection que je n'ai, où j'en ai qu'un seul, deux je crois. Mais j'ai pas fini. Alors où est-ce que je l'ai mise? Parce que tout n'est pas rangé correctement. Non, je ne sais plus où elle est. Il me semble que je les range. Voilà, c'est celle-ci. Vous voyez, avec un fond noir. Donc pour l'instant, j'en ai qu'une seule. Mais j'aimerais bien. Oh, j'ai vu qu'ils en avaient sorti d'autres. Qui sont très très jolies. Donc à voir. Donc voilà, ça vous pouvez le trouver sur Amazon. Vous voyez, j'ai rangé encore dedans ceux-là. Il faut que je les range correctement. Je vais ranger. Donc voilà, donc c'est pour ça que du coup, quand j'ai vu cette nouvelle collection de diamants painting, j'ai dit avant de fignoler cette collection, je vais finir l'autre. Voilà, bref. Du coup, je vous montre rapidement les diamants qu'il y a avec cette toile. Alors, vous avez du vert.
Donc là, le jaune, c'est pour faire tout l'entourage le cadre et aussi les cheveux. Du rose, donc là, nous avons des petits ronds. Ceux-là sont très jolis aussi pour faire les fleurs. Et voilà, donc voilà pour cette... c'est nouveau. Alors, ceux-là, je ne les ai pas vus sur d'autres sites. Après, je ne regarde pas non plus 36 000 sites. Mais je ne les ai pas encore vus. Donc, nouvelle collection. Donc, bien sûr, ils ont d'autres princesses. Hein, bien évidemment. Moi, j'ai pris la fée clochette parce que j'aime bien la fée clochette. Mais voilà, pourquoi pas finir cette collection. Bon, on a encore un peu le temps. Déjà, je vais finir l'autre. Voilà. Mais pourquoi pas. Celle-ci, elle est sympa. Et ces toiles sont à 6,22€ sur la boutique de One Day Saving. Voilà. Donc, je vous mets, comme d'habitude, comme je vous ai dit, en barre de description, tous les liens des produits que je vous ai montrés. Comme ça, vous pourrez aller faire un petit tour sur la boutique si ça vous dit. Voilà, et je remercie encore une fois de plus la boutique One Day Saving pour leur confiance, que je puisse vous montrer ces très belles toiles en diamond painting. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.